bibalolanye kaduwa wunyi ni fafe kaduwa wunyi ni bafe sega wo babi jare ibe hami muna no makie sega sigali mbale kuyate danka dentiye wallahi billahi kabi wolora domina imane jeli sosolon kele la kele nin ko men kadinye ibogole kenye ni balma musodwo wiye tunyaye ala bikera lolo ye sama lolo sayandu moyade ala yo masale di waydu kukuba sama gera jeli ma ku ya tebo comment ah, des images énormes dans la tête. Cette journée est super, excellent pour vous. Et pour la physique nue, pour Edfali et toute sa troupe, pipi pipi. Sortie de secours en cas de tournevis, la sortie de secours se trouve en haut. Voilà. Alors si ça ne va pas, il faut courir derrière et déplacer tout le magazine et sortir là-bas, essayer. Alors, il y a des sorties devant le chauffeur, il faut passer par le côté du chauffeur pour passer. Maintenant, si vous n'avez pas compris, il y a des lumières qui s'allument par là. Maintenant, c'est trop tard. Elles sont cassées. Elles sont cassées. Ouais, elles sont cassées. Mais c'est pas grave, on peut se débrouiller. La charte de Kourou-Kanfouga. Soundiata Keita, après cette grande victoire sur Soumaoro, convoqua un grand congrès à Kourou-Kanfouga, une autre belle clairière à proximité de Kirina, pour unifier les royaumes et constituer le premier empire mandingue dont il deviendra le premier empereur. L'assemblée constitutive de Kourou-Kanfouga a été initiée par les 12 chefs de guerre de l'empire, les 5 classes de marabouts, les 4 classes de Nyamakala et 16 porteurs de carquois. Les marabouts ou Mandelmouri, les Touré, Sissé, Bérété, Diané et Souaré. Nyamakala ou homme de caste, griot, cordonnier, fina et forgeron. Le forgeron, à cause de son importance capitale professionnelle et de son pouvoir sur la nature, appartient aussi à la noblesse. Cette assemblée de Kourou-Kanfouga a été présidée par Kamadian Kamara. Elle a débouché sur la mise en place de la charte en 44 articles. Chaque article a été présenté dans son esprit et dans sa lettre ainsi que les sanctions prévues en cas de faute commise. La charte Kourou-Kanfouga humanise les rapports entre citoyens de Mandingue. Elle favorise la paix, la solidarité et le travail. Elle est un projet de société bien assise dans toutes ses structures et réglementée par un code de conduite sociale. La gestion de la terre et l'éducation de l'enfance et de la jeunesse relève de l'ensemble de la communauté dans la mise en place d'un gouvernement fédéral. En quittant Bamako, nous avons fait un petit séjour à Niagassola pour aller rendre visite au balafon sacré de Soumaoro Kanté, gardé par une famille Kouyaté qui nous ont reçus avec une hospitalité exemplaire. La sécurité de ce Sosobala est assurée par les chasseurs qui sont informés pour tout événement concernant le Sosobala.
Dans la famille Konkoba, nous avons été reçus par un orchestre. L'ambiance était de la partie. Nous avons visité Danka, qui est un village très proche de Siguiri. Traditionnellement, quand l'étranger vient dans un village, on commence par une visite au chef et les sages du village Kadamakdantegeli pour saluer le patriarche et les notables. Nous avons choisi Danka par sa diversité des métiers de la population, comme par exemple des agriculteurs, des mineurs ou des forgerons. Les fromagers ne sont pas faciles à distinguer des baobabs, le fruit du fromager dont le goût sucré acide est très agréable à manger. La fabrication des briques en argile pour construire des cases. Un instrument traditionnel pour creuser. Comme ça, ça veut dire que tu dois démarrer.
Le bolon, autrefois, cet instrument accompagnait les guerriers au front. Ni l'armée ni les adversaires ne touchaient à l'artiste. On jouait également le bolon lors du décès des plus grandes personnalités. Cette danse s'appelle Dja, danse exclusivement féminine, exécutée à tour de rôle par deux. Elles s'approchent, se tapent dans les mains en sautant et repartent. Elles pratiquent cette danse de réjouissance jusqu'à leur mariage. C'est une danse de confiance mutuelle. Le Kanden est un masque fétiche protecteur inventé par Soumaro Kanté, qui par la suite le céda au jeune homme âgé de 15 à 20 ans. Le Kanden court derrière les garçons et les frappe avec une verge animale quand il les attrape. Le masque a un air terrifiant et il fait peur aux petits enfants. Cette peur est de surcroît alimentée par les menaces des parents. Le Kanden viendra te chercher si tu n'es pas sage. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette délégation ainsi que le projet qui nous anime en Guinée cette année. Oui, le kaké, kasiaro, kandone, nye, ayena. Ana la dimaya, ana baranyo. Mbola kaste buko, mba na nye foli di profe na koma. Je m'adresse cet après-midi à nos grands visiteurs. À ces belles personnes qui ont bien voulu visiter la Guinée et visiter Sigiri. Monsieur Kouyaté a parlé. Qu'est-ce que c'est que l'amour groupe en Malinké? Namu, chez nous,
c'est la tradition. C'est ça. Donc, la tradition, c'est une valeur culturelle que nous avons, que nous possédons. Et le namu dans le manding, c'est le namu dans le fouta, c'est le namu dans la forêt, c'est le namu dans la Basse-Guinée. Donc, le namu, c'est la tradition. C'est-à-dire que chez nous ici, le namu, c'est multicolore. La Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée, la Guinée forestière. Ce qui fait que le namu doit engendrer toutes ces valeurs culturelles-là. Voilà. C'est ce qu'il a transposé en France, en Belgique, disons en Europe dans son entièreté. Alors, même ma façon de parler est le namu. Sa façon de s'habiller est le namu. Voilà. Et la tradition, la culture, c'est des choses qui se complètent. Pour moi, c'est une fierté de voir cette tradition, ce groupe-là, disons, ces grands artistes créés par un fils de Sigiri. Vous savez, il a oublié un élément. Monsieur Kouati a cité les ballets africains de Guinée, les ballets Djoliba. Mais qui a créé les ballets africains? Mais c'est un fils de Sigiri. C'est ça. C'est le pas de ce fils de Sigiri-là que Monsieur Kouati est en train d'emboîter. Voilà. Aujourd'hui, à Sigiri, Sigiri recèle des grands artistes aujourd'hui de la Guinée, dont M. Bambino Diabaté. Il est né ici, il est d'ici. Sa famille est là. Sigiri que vous voyez là, c'est le berceau de la culture africaine de Guinée. La mare sacrée Kong de Djomabana. La pêche n'est exécutée dans ces mares qu'une seule fois par an et lorsque toutes les cérémonies traditionnelles sont exécutées. Je suis Mfali Kouyaté, je suis musicien, chanteur, joueur de kora et de balafon. Pour le prix Konkuba, il y a des deux groupes qui vont être en compétition. La sabati la kamol singoro bimbi namu na kanda buluma. Namu groupe yo le sedona. Le nouveau patron du masque Konkoba qui va donner tout à l'heure le coup d'envoi de cette cérémonie, Konkoba Sekou Kouyaté. Namu group, non le malaba parabala, aïe barana siviri, kadia yompa, Konkoba kadinaye, kadia yompa, Konkoba kaouro, na yomwino narabi Sekou Kouyaté.
ces dons-là, ces dons que vous voyez là, ils sont très grands. Ils sont là. Oui. Donc, pour eux, c'est symbolique. Oui. Mais pour nous, c'est majestueux. Oui. Puisque l'hospitalité a été confisquée par Dieu, bien avant l'humanité, c'est pourquoi à cette fibre et le Saint-Coran nous portons à vivre dans l'unité et dans la paix. Original FM Bariba, FM Milo, Oui. Je suis fier de toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Voilà, et quelle surprise ce soir, hein? C'est une surprise. C'est une surprise, voilà. Bum dum be ra de.
bandamba bera de bandamba bera de bandamba bera. Kongobala bandamba bera de bandamba bera bandamba bera. Bum dum be, bum dum be, bum dum be ra de. Bum dum be, bum dum be, bum dum be ra de. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci. Ok, 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 merci. Oui. Après avoir examiné les critères, oui, le prix Concoba, pour ça, bien pour mon émane, ou le Concoba, oui, groupe. Voilà, un applaudissement pour le groupe s'il vous plaît. Voilà, un applaudissement pour le groupe Benkadi, s'il vous plaît.
Nous avons fait un excellent voyage. Nous sommes passés par la hauteur, on est descendu, on a tourné, on a freiné, on a été malade, on a pris de la poussière, on n'a pas dormi. On est tout propre. On est vraiment tout propre. Et nous sommes très contents. Prochain épisode, au volet la Marie. Là, vers ta moustique. Ouais, comme ça, voilà. Faut rajouter une moustique.